Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh. Encore toi? C'est ta boutique? Non, c'est à mon père. Ah. Combien? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein? Non, il était volontaire. Vraiment? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganache. Ah, t'es sûre? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Il a l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien? Je comprends votre frustration, mais le pont est fermé à cause. Il est là pour le soldat. Faut que je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi? Il est pas à vendre. Excusez-moi. Quoi? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont, c'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord? Ok. Bien. Merde! Monsieur! Attends. Monsieur! Non! C'est mon papa! On mangeait une glace et je l'ai perdue! Je peux pas rentrer sans lui! Ça va, ça va! Il se tenait juste là! Je parlais à cet homme, je me suis retournée et il avait disparu! Attendez! Il est là! Il est là! Mmh.
Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Qu'est-ce qu'ils font encore là? Fuyez pendant qu'il est encore temps. Allez, allez, on y va! Il est là! Allez! J'ai rien fait du tout! Saloperie d'espion. Quoi? Non! La ferme! Il ment. Non! Dans le camion! Mène-toi! Vous faites une erreur! Je le jure! Je t'ai dit de monter! Tout de suite! S'il bouge, tue-le. Oui, chef. Toi, avec moi. Sale brute. Sors de là! Allez! Prends ça. Merde, un checkpoint. Je crois que j'ai pas le choix. Hey, doucement! Où est l'urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hé! Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hé! Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. À Rafta. Quoi, putain, je suis occupé! Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. C'est bon. Dans le camion. Oui. C'était le dernier ou pas?
Presque. Il en reste encore deux dans l'allée. Bouge ce soir. J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non. Ça m'a dit une semaine. C'est pas le moment. Une semaine dans ce putain de tournoi. N'oublie pas l'objectif final. T'as toujours la bouteille d'arak à la main. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est ? Bientôt, mon ami, bientôt. C'est bon. Ne fait pas les choses à moitié. Pink Lotus. J'imaginais autre chose. On dit qu'il y a au moins deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel ? Professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures.
On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On ? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides ? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base ? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. Oups. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Là-haut. Tu rigoles? Non. Non. Allez, par là! Tu réalises qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Cobra. Merde. Oh. Pas trop mal. Bon, on va où maintenant? En haut. C'est par là qu'il faut aller, et on pourra aller nulle part sans chalumeau. Alors, maintenant on improvise.
croyais que c'était déjà ce qu'on faisait. Tu vas où, là? J'étudie juste nos options. Bouge pas. En tout cas, elle mérite bien sa réputation. Désolée. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. Justement. C'était quoi? Merde. On avait entendu quelque chose. Fourniture de bureau gratuite, si tu veux. T'es toujours si bavarde quand tu bosses? Ouais. C'est juste au-dessus de nous. Tu vois, c'était pas si compliqué. Bah quoi, c'est vrai. Ça prendra qu'un moment. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Merci infiniment. Tu surveilles nos arrières ? Chez un antiquaire. Il n'a pas perdu son temps. Il y en a pour combien, d'après toi? Assez pour que sa petite insurrection tienne un moment. Salah et le tigre. Il est peut-être plus près que je croyais. Ça te choque pas? Tout ça, c'est des artefacts indiens. C'est pas mon combat. Je vais emprunter ça. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là? C'est fermé. Pas pour longtemps. C'était quoi cette carte? Les Ghâts occidentaux, territoire des Al-Salah. Oh merde! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Merde! Fais gaffe.
s'en va. Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps? Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le Pink Lotus. Quoi ? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Roysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? 3 invasions perses, 3 guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdus. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à... décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Roysala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Ça veut dire non? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les! Mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde! Faut pas traîner ici! Perds pas de temps. Merde. Tiens.
Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yol-Sala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au GAT, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé? Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Beau travail. Une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Osala? Oi, Sala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté, on a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense, tu t'occupes d'Assav. Compris.
retrouve à la voiture? Ouais. Ah, exactement là où je l'avais laissé. Quel paysage incroyable. Je vais bien, au fait, hein. Ok. Toujours là. Ok, juste en lecture. Tiens, donne-moi ta main. Je m'en sors, t'inquiète. Ok. Tu veux que je conduise? Non, ça me dérange pas. Moi, si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Et si on profitait un peu de ce havre de paix? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. Je n'ai jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, nous. Hé, hey, regarde ça! Une réunion de flamants roses. Avancer? Je cherche. Ça rafraîchit. Merci. T'aurais pu me prévenir. Oh, t'es pas marrante. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non, pas vraiment. Attention, vent, ralentis. Regarde un peu ça. Des ruines, Hoysala. On peut passer cette porte? Je vais aller voir. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Alibidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Ben, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alibidou. La toute nouvelle capitale d'Hoysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hey. Y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom.
Ça devrait faire l'affaire. Trevor, c'est une embuscade. Merde. Vers-toi. Merci pour l'info. Battez-les. Il est cuit. Ok, c'est fini. Où on en était? T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Ah oui, c'est vrai. Et voilà le travail. T'es bien silencieuse. Je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, sensiblerie. Quoi? C'est juste de gros rongeurs volants? Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Et voilà le travail. Je suis passée. Arrête! Ah, Sav. Ah. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces corps. T'as un plan? Ouais. Bien sûr. Nouvelle de Cobra 1. Attends un peu. Ils m'ont appelé si c'est chiant. C'est pas deux étrangères qui m'ont fait confiance en Assa. Qu'est-ce que je fais? Tu dois admettre que même lui. Alors reste sur tes gardes. Le tout pour le tout.
terre! Homme à terre! Commencez à chercher! Prévu. Ouais. Oh. Je vais ouvrir la porte. Tu vas chercher la voiture? Bien sûr. Merci. Ça doit être ça. Ok, tu peux y aller. Attention. T'inquiète. Je reprends la place. Tout à fait capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle, mais je préfère que ce soit moi. Pas sorti de l'auberge. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain à Sav. Les trois symboles. Regardons la carte. Ok, voyons. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Regarde cette tour. Waouh. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Ok, je vais surveiller Asav. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Il devait pas attendre beaucoup de toi. Non. C'est un compliment? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Asav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. On peut faire confiance à des gens comme Asav. C'est facile. Ils trouvent des hommes faibles et leur offrent le pouvoir. Ils leur donnent un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. Comment tu t'es retrouvé avec Asav, au fait? Un but? Je préfère ne pas en parler. Il devait sûrement avoir un faible pour toi. M'en parle pas. Il m'a été utile à l'époque, mais...
Ouais. Allez, raconte. Préfère pas. Peut-être qu'après un verre, même avec tout l'alcool du monde. D'accord, c'est toi l'experte militaire. Quelle est la stratégie d'Assad ici ? Il a déployé ses hommes dans l'espoir de nous stopper net. C'est pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place d'Assad ? À part me raser la barbe ? Attendre. Te laisser faire tout le sale boulot et débarquer au dernier moment pour prendre la défense. C'est sournois. Pragmatique. Ça arrive. Attends, Razer, on va avoir de la compagnie devant. J'ai eu ! Le tout pour le tout ! Accroche-toi! Pas besoin de me le dire! Barre en voiture, vivra pour voir le futur. D'accord, c'est toi l'experte militaire. Quelle est la stratégie d'Assad ici ? Il a déployé ses hommes dans l'espoir de nous stopper net. C'est pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place d'Assav ? À part me raser la barbe ? Attendre. Te laisser faire tout le sale boulot et débarquer au dernier moment pour prendre la défense. C'est sournois. Pragmatique. Ça réduit énormément les risques. Heureusement que t'es dans mon camp. Ouais, heureusement. Je suis à... Où est-ce que tu vas ? Tu grimpes avec moi ? J'aimerais bien, mais... Il faut bien que quelqu'un monte la garde, non ? Bien vu. Toujours plus haut. Ça va. Et voici nos trois symboles. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. La hache de Shiva. Voyons un peu ça. Dirigez droit vers ces ruines Aïsala.
C'est une vieille forteresse au creux de la montagne. Je vais l'indiquer sur la carte, avec une hache. Voyons ce que cache la porte de l'arc. Encore une vieille forteresse. En plein milieu du lac. Je noterai un arc sur la carte à cet endroit. Voyons un peu ce que cache la porte du Trident. Et encore une vieille forteresse. Juste au-dessus des chutes d'eau. Je vais le noter avec un trident. Je me demande ce que c'est. Je note pour plus tard. Déjà, j'aurais dû vérifier s'il y avait un bouton d'appel.